C'est incroyable. Attention, attention! Dans la voiture, qu'est-ce qu'il y a là? Ouh, il y a des. Ouh, il y a des. Bonjour. Eh bien, salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel, comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The Bus. Voilà, le jeu de simulation de bus par TML Studio, ça fait extrêmement plaisir. Ça fait un petit moment qu'elle est sortie, mais aujourd'hui, nous allons un petit peu découvrir la bêta 1.3, si je ne dis pas de bêtises. La bêta donc 1.3, je le rappelle que c'est un jeu en accès anticipé, donc qui n'arrête pas d'évoluer avec plein de nouvelles choses. Et que franchement, d'ailleurs, pour un début, c'est un début réussi. Donc là, on a pas mal de petites nouveautés, on va aller découvrir ça. Surtout, on va s'amuser comme d'habitude. N'oubliez pas le pouce bleu, j'espère que cette vidéo va vous plaire. On est parti directement dans le menu principal. Alors, on a toujours le mode économie qui est indisponible, le mode multijoueur qui est indisponible. On a seulement voilà le mode libre et le mode éditeur. Éditeur, attendez, il n'y avait pas ça avant, j'ai l'impression. Là, visiblement, ça fonctionne pas, mais ce sera visiblement pour éditer un petit peu le plan, tout simplement, le plan avec les arrêts de bus, etc. Bref, nous, on va repartir en mode libre. La carte, c'est toujours Berlin. Le véhicule, soit l'un, soit l'autre. Donc, on va rester sur le Citywide LF18M. Je ne m'y connais pas. Type de contrôle réaliste. Ligne et tour. Eh bien, écoutez, on va régler ça à aujourd'hui. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 8 mai. Le 8 juin, pardon. Qu'est-ce que je raconte? Mardi 8 juin, voilà. Il est 10h44, d'ailleurs. Ah, je peux pas mettre 10h44. Et le tour, je ne peux pas le changer. Voilà, on va le laisser comme ça, c'est très très bien. Ah, ça, je peux changer là-haut. Le 1 ou le 2, ouais. Alors ça, c'est le petit truc, c'est qu'il y a toujours, voilà, on a fait le 1, on a fait le 2, et on n'en a pas d'autres, les amis. Dans cette bêta 1.3, il y a un nouvel arrêt de bus qui a été créé, si je dis pas de bêtises. C'est peut-être ceux avec le point d'exclamation. Sachant que, en fait, oui, c'est vrai. Alors, c'est exactement le même, c'est juste que c'est pas dans le même sens. C'est-à-dire que là, on commence alors même pas du dépôt, mais on commence de Alexanderplatz pour aller à Flughafen-Tegel, alors que là c'est l'inverse, on part attendez je peux pas, on part de Flughafen-Tegel et on va justement à Alexanderplatz. Donc vous savez quoi, on va faire dans ce sens là, comme au tout début qu'on a découvert le jeu, les amis. On est parti directement, je fais retour. La météo, on va la laisser du coup en dynamique, comme ça à tout moment il fait pas beau et on peut partir sur le départ, les amis. Allez, nous y sommes, les amis, ça fait très plaisir de retourner sur le jeu, je vais pas vous mentir. Avec de la pluie, un temps horrible. Une nouveauté aussi, c'est le comportement de l'intelligence artificielle. Elle peut totalement traverser la route à tout moment, ça c'est plutôt cool. Et sur les abris de bus comme ici, ils font des trucs différents de d'habitude. Bon là, ils sont sur leur téléphone, mais vous savez, on est en 2021, hein. Ok. Allez, c'est parti. On rentre, je ferme, hein. je vous ouvrirai après, chers amis. Faut juste que je me remette dans le bain. Alors, la boîte de vitesse, on la met en neutre, on met le contact. On démarre l'ordinateur de bord, ça on sait comment faire. 1, 8, 3. Ok, on est tout bon. On démarre. Incroyable, on y est. On met la clim, évidemment. On y va? Ah, on les prend pas les gens là? D'accord, ok, je pensais qu'on les prenait en fait. Je pensais qu'on les prenait. Allez, c'est parti. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, j'avais réglé un petit peu le G27 l'autre fois. Ah, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ok, ça va faire plaisir, ça, les amis. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à The Bus, vous vous en doutez. Et en fait, ça fait plaisir. Comment on met les essuie-glaces? Ah. Là, ça va être le petit problème. Eh ben voilà. Oh, j'ai trouvé les essuie-glaces. Oh, c'est pas vrai. J'ai enfin trouvé les essuie-glaces, les amis. Eh ben, il était temps. Il était temps. Ok, on va faire attention à tout le monde. On va mettre un peu plus fort les essuie-glaces. Donc, à tout moment, on peut avoir des piétons qui traversent la route. Hein. Ça, c'est vraiment le truc à retenir. Concrètement. Allez, on n'est pas trop mal. Ah oui, ça j'avais pas anticipé. Hop. Voilà, on va essayer de pas bloquer toute la route. Impeccable. On a trop de trucs à gérer, c'est bon, on y va. Sur ma gauche aussi. Ah, ça me met la pression. J'ai une pression, les amis, je vous jure. C'est phénoménal, hein. Avec la pluie
on voit pas grand chose, la route est super glissante, tout le monde roule super vite. Moi j'ai l'impression de pas rouler vite, j'ose pas trop. Alors là je peux vous dire, ça y est, là je suis à 46 km/h, j'ai l'impression que je vais à fond les ballons. Attention, 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 ça s'engage là, ça commence à faire des dingueries. Ok. J'ai pas l'impression qu'il y ait un arrêt de bus ou quoi. Ah, ça y est, le premier arrêt de bus, je le vois. Je l'aperçois. Hop. On va faire ça bien. Voilà, j'ai monté sur le trottoir, je crois. Bonjour à tous. Alors, je ne sais plus comment ça fonctionne. Donc, dans le doute, on va ouvrir. Voilà. Bon bah du coup j'ai même pas capté, mais tout le monde est rentré. Là on peut voir tout le monde est rentré. On le voit dans le miroir en haut. C'est bon. D'ailleurs aussi, ça c'est la nouveauté, lorsque il n'y a plus de place, s'il n'y a plus de place dans le bus, les gens attendent. Tout simplement. Merci monsieur. Ah, vas-y. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? What? Alors ça, le bug, bonjour. Vous avez vu ça? Ah ouais. Particulier quand même ce qui vient de se passer. Bref, oui, du coup, si maintenant il n'y a plus de place, et bah du coup les gens ils attendent, ils rentrent pas ou ils ressortent tout simplement. Et ça c'est plutôt stylé. Voilà. Ah, le bug qu'on vient de voir en direct, ça c'était sympa ça. Ah, j'aime beaucoup les bugs. Notre prochaine arrivée. Même si du coup je comprends pas, et j'étais d'accord avec vous sur la dernière vidéo de The Bus en commentaire, mais là il est 10h47, il me met arrivé 13h02, c'est pas possible d'avoir 2 heures d'avance. C'est improbable d'avoir 2 heures d'avance comme ça, c'est moi j'y crois pas. Allez, bonjour à tous, c'est bien, tout le monde a déjà payé, ça c'est parfait ça. Ah, zut. Alors, merci beaucoup. Tu veux quoi toi? Ticket 24 AB. Un adulte imprimé. Je deviens bon quand même hein. Je deviens bon. Hop, parfait. Prix 8,89. Comment ça? Ah, je te dois 20 centimes, c'est ça? Je suis pas l'un des meilleurs. Voilà. C'est bon? Tout le monde est content? C'est la maison du content? Super. Eh ben on va pouvoir repartir. Lock second wing. Oh, c'est stylé tout ça là. Je regarde un peu les boutons hein. Ça c'est les feux de brouillard avant. Et il est faux non? Attendez, je suis perdu. Je suis perdu, je voulais éteindre des lumières. Voilà, allez. On est reparti. Ça se passe plutôt pas mal. On a un bus qui bloque totalement la circulation. Allez, tu nous fais quoi? Ah, regardez, c'est parce que les piétons traversent la route. Voilà, ça y est, ça c'est la nouveauté. Ça c'est la nouveauté, c'est trop stylé. Tiens, on va voir comment ils vont là, les messieurs là. Salut. Comment ils me regardent? Vous avez vu comment ils m'ont regardé? Bonjour. Bonjour. Tout va bien? Window open. Oh, on peut ouvrir les fenêtres, regardez. Mais non. On peut ouvrir les fenêtres derrière. Mais non. Ça sert à rien, mais c'est trop bien. C'est trop bien. Je valide de ouf. Et le feu qui passe au vert. Et la pluie qui cesse. Quel bonheur. Arrête-toi. Voilà. Ça y est, il commence à faire beau. Bon, les routes sont toujours, évidemment, mouillées. C'est très dangereux. D'ailleurs, faites attention en été. Hein. En été, quand c'est comme ça, on appelle ça du verglas d'été. Voilà. Et ça glisse tout autant, même plus qu'en hiver, et on s'en doute pas, et on fait des accidents comme des cons en été, quand c'est comme ça. Donc quand il pleut en été, faites gaffe. Voilà, petite parenthèse. Parenthèse de fête. Oh là là, les piétons qui traversent. Oh, j'ai cru qu'il allait les renverser. Bah oui, mais monsieur, on ne traverse pas au rouge. D'accord, on traverse pas au rouge. Putain, ils osent faire ça en Allemagne en plus, hein, parce que l'Allemagne, c'est quand même une future dictature, quoi, de nouveau. Hein. Ça va, je rigole. Chut, je n'ai rien dit.
Voilà, je n'ai rien dit. Hop, je monte sur les trottoirs pour la peine, je suis énervé. Ouah, elle a un joli tic. Bonjour madame. Oh là là, mais c'est qu'elle est mignonne en plus. Allez, bonjour, c'est bon, c'est tout bon. Allez, on s'arrache. Ah, je suis sur une piste cyclable. Quel connard. Ça y est, le bus, il s'est pris... Non mais en vrai, on est d'accord, en Allemagne, c'est tellement compliqué. Leur voix, c'est tellement compliqué. Mais vraiment, hein, je comprends rien, quoi. Un coup, t'es sur une piste cyclable, un coup, t'es sur une bande de vélo. Enfin oui, du coup, c'est la même chose. Un coup, t'es sur une voie de bus. Regardez, ça, c'est un scandale. Allez, c'est parti. Le premier virage à 90 degrés. Regardez comment j'ai pris la confiance. Eh, franchement, du génie ou pas? Je m'en sors déjà beaucoup mieux qu'au début. Hein. Parce que maintenant, j'ai compris le porte-à-faux, comment il est. Et... Même si c'est perturbant, voilà, bon, j'ai un peu trop tourné après. Mais je suis même pas monté sur le trottoir, je crois. Donc, parfait. Franchement, au top. Au top, au top, au top. Allez. Bonjour à tous. Voilà. Bonjour, bonjour. Oh là là. Ah, monsieur, il a failli m'oublier. Ah, je pensais qu'il allait me faire chier. Même pas. Comme quoi. Non, par contre, ouais, quoi, il fait beau comme ça, c'est magnifique, c'est trop joli. En fait, vous savez quoi, on va faire la miniature de la vidéo, on va sortir du camion et on va faire la miniature de la vidéo tout à l'heure. Dans un endroit totalement inapproprié. Mais on va le faire. Ouah, et je suis monté à 70 km/h devant la police. Merde, le feu. Ah. Ouah, ça freine bien. Bah, vous savez quoi, on va faire la miniature de la vidéo. Voilà, c'est inapproprié. Mais on va la faire ici. Elle est faite, elle est jolie, elle est sympathique. Et on a en plus le temps, voilà, au feu, ça c'est parfait, les gens qui traversent, c'est incroyable. Attention, attention. Ouah, mais il l'a renversé. Ah ouais, non, ça par contre, va falloir corriger ça parce que je trouve qu'il y a trop de piétons qui traversent au rouge. Hein. En Allemagne, ils osent pas trop faire ça hein, dans la vraie vie. Hein. On peut regarder dans la voiture, qu'est-ce qu'il y a là? Ouh, il y a des... Ouh, il y a des bonjour. Eh, je suis chauffeur de bus ou je suis routier là? Excusez-moi. Bon allez, on y va. Big up à tous. Évidemment, je ne suis pas un voyeur, voyons. Nous faisons juste passer le temps au feu. Oh, faut que j'aille à gauche. Oh, le coup dur. C'est bon, la voiture me laisse passer. Et je dérange. Ah, fais pas genre, gros. Fais un effort aussi, regarde. Madame, vous voulez que je prenne le volant? Foutez de ma gueule. Comment tu... Eh, mais... Regardez, c'est Stromae. Où est ton papa? Dis-moi, où est ton papa? Bon, bref. Allez. Fume ma gueule. Regardez comment ils sont collés, le camion et le... Et le... Et le partenaire, là, la voiture... La camionnette bleue, là. Ils sont collés, mon pote, mais... C'est trop drôle. C'est ça, par contre, ce qui est vraiment bien, je trouve, sur ce jeu, par rapport maintenant à un Euro Truck. Euro Truck, il y a tout qui est, je trouve... Alors, peut-être que je connais pas encore la mécanique de The Bus. Euro Truck, tout est calculé. C'est-à-dire que, vraiment, les voitures, elles peuvent pas trop changer de fil. Ça s'agite derrière. Hein. Elle lui a touché la... disons que sur Euro Truck, voilà, ils ont leur parcours, ils peuvent doubler, mais ils ont pas des variantes. Alors que là, j'ai l'impression que c'est un peu aléatoire, un peu comme dans la vraie vie. Et quand tu vois... Tu vois? Leur espace. Je sais pas, je me dis. Il y avait une probabilité pour que ça arrive. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oh, eux, ils vont me faire chier, à mon avis. Eux, ils vont me faire chier. Ma petite angoisse. Voilà, ouais, c'est toujours lui qui fait chier en plus. Hein. Allez, donne-moi ça. Ticket ABC à l'unité. Voilà, monsieur, pour vous. Et 20 centimes peut-être? 50 cents. Hop, hop, voilà pour vous. C'est bon? Oh bah ça va. Impeccable, je fais ça bien quand même hein. Je suis quand même un très bon caissier quoi. Il me fait peur lui à gauche. Il me fait peur lui. Oh, m'en fous, je vais à droite. Allez, regardez comment on fait ça. Hop. Impeccable. Alors j'ai l'impression que ce qui vient de se passer, ça m'est déjà arrivé. Là, je viens de défoncer l'arrière du bus. Robert Kochplatz. On est à Robert Kochplatz. Oh, plaquette. Allez, c'est parti. Bienvenue à Robert Kochplatz. Bonjour. Putain, j'ai fait de la merde. Je suis dégoûté quand même. J'ai défoncé mon bus alors que j'étais sûr de moi, quoi.
T'es vraiment sûr de moi? Ah, je me disais bien qu'il y avait de la minette là qui était censée monter. C'est bon, allez, on y va. Et franchement, vous me voyez comme vous ne m'avez jamais vu. Ça y est, je suis en roue libre totale. Bon, vous voyez, du coup, les amis, sur ce jeu, The Bus, évidemment, je pense que vous le comprenez, mais je peux pas vous faire 32 vidéos par semaine. Hein. C'est impossible. À la limite, je peux en faire à chaque fois qu'il y a une petite mise à jour de bêta, mais vous voyez que c'est globalement toujours la même chose. Toujours en mieux, évidemment, mais voilà, je pense que vous le comprenez. J'espère que vous kiffez ces vidéos, mais surtout que vous comprenez que je peux pas en faire trop tout le temps, tu vois, c'est pas possible. La preuve, ça revient tout le temps au même, c'est totalement normal. Bonjour. Bonjour, surtout dites pas bonjour. On dit bonjour. Ouah, madame, vous voulez pas monter? Là, la porte est ouverte. Hep, 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 hep. Non, d'accord, très bien, c'est pas grave. Ah, madame, madame. Madame? Non, non plus, d'accord. C'est une zone 30. Il y a un Lidl aussi, là. Le Lidl. Ah ouais, putain, mais c'est trop stylé, quoi. Bonjour à vous. Toujours avec leur téléphone dans la main, hein, mais c'est pas possible. Hein. Cette génération, moi, Je ne la supporte plus. Génération texto, nous on s'aime et on se le dit sur MSN. Est-ce que vous avez connu Génération texto? Dites-le moi en commentaire. On s'y croirait. Ça me fait penser, petite anecdote, voilà, quand je faisais mon stage dans une entreprise de transport de marchandises et qu'on était en Allemagne et qu'on était à Stuttgart et que y a des feux, mais tout. Et après, on dit les Allemands, ils sont des écolos. Bon, ce qui est regrettable, quand même, j'insiste, j'ai déjà dit, c'est qu'on voit pas grand chose dans les rétros. Bon, le rétro gauche, encore ça va. Mais alors, le rétro droit, mon pote, pour regarder quelque chose, faut que tu zoomes. Hein. Et enfin, c'est atroce. C'est complètement atroce. Après, je comprends, hein, c'est un bus, hein, c'est différent. Mais je pense qu'il y a moyen de faire un truc pour qu'on voie mieux. Un peu comme sur Eurotruck. Entre nous, je pense. Donc, voilà quoi. Et oui, je grille les feux. C'est bien, ils sont moins chiants, ils ont tous payé à l'avance déjà. Oh, regardez, ils sont en train de discuter. Voilà, c'est trop bien fait. Ça fait partie des nouveautés, justement. Ah, il y a personne qui rentre ici, il y a tout le monde qui sort. Très bien. Ah, c'est fini. Attendez. On va suivre le GPS. Oh, ça me rappelle. Mais bien sûr. Alors, si vous vous en rappelez, voilà. La toute première vidéo qu'on a fait sur le jeu, qu'on a découvert, on était ici et il me semble que c'était buggé. Alors j'avais un bug, c'était pas un bug, c'est parce que j'avais pas rendu la monnaie qu'il fallait. Et du coup le jeu... Ah merde, on peut pas avancer. Et du coup là il me semble que la route était barrée. Alors on va voir. On va voir ce qui se passe, on va terminer la mission à bien. On va essayer de terminer comme il le faut. Et puis voilà, carré, parce que là j'imagine qu'on va faire tout le... On va faire tout le retour, je pense. On va voir. On va voir comment ça va se passer, les amis. En théorie, du coup, j'ai plus personne dans le bus, je vérifie. Voilà, normalement, voilà, j'ai plus personne dans le bus. C'est parfait, d'ailleurs, je vais ouvrir les fenêtres. Parce que ça pue. Là. Alors, les piétons qui traversent n'importe comment. Ah non, j'ai rien dit, c'est un passage piéton. Je n'ai rien dit. Bonjour à vous. Voilà, et c'était là qu'il y avait un sens interdit. C'est ça ? Faut que je fasse demi-tour là. Trop bien. Alors. Ok, en fait c'est un U-turn hein, qu'on est en train de faire. Oh, c'est trop bien fait. D'accord, et donc là il n'y avait pas de bug. Ah, j'ai compris en fait ce qui se passe. Et là on va s'arrêter de nouveau un... Voilà, en fait on refait une nouvelle tournée là. D'accord, bah on va pas le faire. En fait on enchaîne. Ah ouais, en fait on peut faire ça toute la journée si on veut. En gros, bon, on va arrêter là les amis. Là du coup c'est la deuxième vidéo qu'on a fait. C'est exactement ce qu'on est en train de faire actuellement. Enfin, ce qu'on pourrait faire maintenant. Et qu'on ne va pas faire. D'accord. En fait, voilà. Donc, la première vidéo qu'on a fait sur le jeu, on a fait ça. La deuxième vidéo, on a fait ça. Cette vidéo, on vient de refaire ça. Et là on peut refaire ça. Et je pense qu'on peut faire ça à l'infini. D'accord, donc pour le moment c'est comme ça. J'ai hâte de voir les nouvelles routes, les nouveaux trucs qui vont débloquer. Parce que, évidemment, c'est tout le temps la même chose. En tout cas, voilà, on aura fait, je pense, un bon tour du jeu. Très sincèrement, ça me plaît plutôt pas mal.
Comme dit, je peux pas vous faire des vidéos tout le temps là-dessus parce que ça n'a aucun intérêt. Je pense que vous êtes tous et toutes d'accord. Bon bah les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu. Et on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. C'était Mkolo, je vous fais plein de bisous. Ciao tout le monde !